Saber Khan, bonjour, merci Bonjour. d'être avec moi aujourd'hui. Première question, consultant, entrepreneur, écrivain, vous êtes plutôt couteau suisse. Est-ce que vous souhaitez que l'une de ces facettes prenne le dessus sur les autres? Sinon, y en a-t-il une qui le prend naturellement avec le temps? Il faut vraiment rester soi-même. Un des travers des 200 dernières années sur le plan social, c'est que les gens se définissaient par leur métier. Cela dit, c'est même pas un travers des 200 dernières années, ça s'est accentué, mais on prend les premiers noms de famille, Meunier, Miller en anglais, Smith, forgeron, Ferrari. Bah, Ferrari, ça voulait dire le ferronnier. Et puis même, si on voulait s'amuser à traduire Michael Schumacher, ça serait Michel Cordonnier en français. Donc on a tout ce long passé où les noms de famille étaient soit des noms de ville, genre Corleone, ou des noms de métier. Et aujourd'hui, on n'est plus ni sa ville ni son métier. Donc, je définis ces métiers, mais c'est parce que les gens me demandent. À chaque fois, on est tellement coincé dans cette idée, c'est tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? C'est l'ouverture de conversation la plus classique. Donc voilà ce que je fais, mais je suis juste moi, et selon les aspirations et les opportunités que j'ai, je peux effectivement changer de métier. Pour l'instant, mes revenus viennent essentiellement des conférences, des livres et des prestations de conseil aux entreprises, c'est exact. Donc être toi, finalement, ça te permet aussi de te rémunérer, donc c'est quelque chose d'intéressant. Économie du savoir, libération du cerveau, acupuncture intellectuelle, les concepts relatifs à l'esprit semblent être un peu le fil conducteur de votre travail depuis quelques années. Comment vous définiriez l'intelligence? Alors l'intelligence en biologie, c'est la capacité à résister à l'éradication. C'est la capacité à éviter d'être tué. Le virus de la grippe, qui n'est même pas tout à fait vivant, si on veut rentrer dans la finesse biologique, il est intelligent parce qu'il mute tellement vite qu'on ne sait toujours pas vacciner contre la grippe plus d'un an. Voilà. Ça va tellement vite qu'on n'a pas de vaccin contre la grippe qui soit pour 20 ans. Et c'est ça, la vraie intelligence, c'est ça. Les rats de Paris sont intelligents. On a beau améliorer nos connaissances en génomique, on a beau améliorer nos connaissances en dératisation d'une façon générale, on les exterminera jamais. D'ailleurs, ils continuent à proliférer aujourd'hui. Donc, la vraie intelligence, c'est ça. Beaucoup de gens ont voulu réduire l'intelligence à la conformité, c'est-à-dire si tu es prévisible, tu es intelligent. C'est un défaut de l'école, c'est un petit défaut, mais c'est un défaut qui devient grave maintenant dans le monde actuel où les emplois changent très vite. C'était pas un défaut grave avant, parce que la conformité, c'est nécessaire au vivre ensemble. Il faut un minimum de conformité entre personnes. Il faut une base culturelle pour que les gens puissent interagir et se faire confiance. Et l'école était censée l'apporter, mais on a un peu trop mis l'accent sur la conformité, et du coup aujourd'hui ça c'est en train de poser des problèmes. Tous les gens qui croyaient que l'intelligence c'était la conformité, c'est les premiers à avoir peur que l'intelligence artificielle prenne nos métiers. Certains ont dit que c'était la capacité à s'adapter, d'autres ouais. La connaissance de soi. La capacité à s'adapter, c'est effectivement la capacité à survivre en réalité. Hein. Et la connaissance de soi, c'est la sagesse. Qui est l'intelligence suprême, effectivement. L'intelligence maximale, c'est la sagesse. Et c'est là, la sagesse a comme conséquence de faire que quelqu'un prenne les bonnes décisions. Est-ce qu'on pourrait un jour envisager, par exemple, qu'une personne atteinte du syndrome de Down, un trisomique 21, soit intelligente? J'en arrive là, en fait, parce que parfois, j'ai l'impression que vous préconisez un modèle de société qui s'adapte à notre cerveau et pas le contraire. Si tel est le cas, comment faire pour que la société s'adapte à la singularité de chacun? Parce que l'humain, je crois que c'est Benjamin Franklin qui avait dit « Je connais deux choses très dures, l'acier et la connaissance de soi, ou le diamant et la connaissance de soi. » Et les humains, l'humain, il n'aime pas faire d'efforts. Et la connaissance de soi, c'est l'effort max. Pour adapter la société à notre cerveau, ou adapter la société à notre esprit, ou adapter la société à notre humanité, il faut d'abord aller à la mine de la connaissance de soi, prendre sa pioche et aller apprendre à se connaître. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il n'y a rien. Résoudre le problème de Syracuse en mathématiques, les problèmes les mathématiques les plus compliqués au monde, ce n'est rien à côté de se connaître soi-même. Alors souvent d'ailleurs, pour résoudre un problème comme celui-là, il faut se connaître soi-même d'abord. Et l'humain donc fera ça en dernier, c'est-à-dire dans son agenda, l'humain, entre, je sais pas moi, trader des matières premières en bourse, parler, faire cette conférence, et se connaître soi-même, ça sera le dernier dans l'agenda. Donc faire une société qui s'adapte à notre cerveau, qui s'adapte à notre humanité, plutôt que de forcer notre humanité à ressembler à notre société,
C'est ce qu'il y a de plus dur et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et certains pensent que notre société, justement, ne valorise qu'un type d'intelligence, en oui. l'occurrence l'intelligence peut-être logico-mathématique, cette intelligence finalement qui peut être remplacée par des algorithmes. Mm-hmm. Mais en ce qui vous concerne, pensez-vous qu'il y a des types d'intelligence? Et si oui, est-ce que vous les hiérarchisez? Non, on ne peut pas les hiérarchiser. Mais comme disait Rumi, la vérité est un miroir brisé. L'intelligence, et c'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle la curse, la malédiction de la dimensionnalité. C'est-à-dire, là, on a des spots lumineux, on peut faire des ombres. Si jamais je fais une ombre, ma main peut porter une ombre, mais l'ombre qu'elle va porter n'a rien à voir avec la main. La main a plus de dimensions que l'ombre. Le QI est une ombre. Il apporte un peu d'information. Je vais juste dire un peu. Un type d'intelligence. Non, même pas un type. Le QI ne représente pas un type d'intelligence. Mais le QI apporte une information, c'est exact. Mais une information qui, d'après Nassim Nicolas Taleb, est tellement peu fiable, peu reproductible et peu corrélée aux performances dans la vraie vie, que, alors Taleb, il va, c'est un type, il est franc, hein, franc du collier, puis il est probabiliste, il dit non, c'est de la pseudo-science. Il est possible de créer un QI qui justement prenne cette multidimensionnalité Ça sera plus un QI, ça sera plus une échelle comme ça, graduée, avec un score comme on aime tant. On est dans 300 ans de matérialisme. La totalité des activités humaines depuis 300 ans tendent au matérialisme forcené. Matière, matière, matière. C'est pour ça qu'on a autant de suicides, c'est pour ça qu'on a autant de vide. L'esprit n'est pas respecté. Hegel et Marx ont fait beaucoup dans cette direction, mais à leur époque, c'était original. À leur époque, c'était original de dire « Hey, si on s'intéressait à la dimension matérielle de l'histoire, si on s'intéressait au simple fait, les rapports de force, les besoins alimentaires des gens, etc., leurs conditions de vie, après l'école des annales, leur taux d'alphabétisation, oui, c'était bien de faire ça, mais réduire la totalité des événements à leur dimension matérielle, c'est faux. Ce que l'humain pense, ses aspirations intellectuelles, ses rêves et ses idéaux sont des choses extraordinaires. Un des premiers à l'avoir, à être sorti du matérialisme classique alors qu'il était communiste, c'était Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, qui était très très conscient de la condition ouvrière, etc., et qui était un communiste convaincu, il a même été... Il y a eu une chasse aux sorcières contre lui à la fin de sa vie, précisément pour ça. Mais c'était le premier à parler d'élan spirituel, notamment dans son grand discours du dictateur. Donc, on sort de 300 ans de matérialisme forcené, qui a créé un vide, une dépression, et bien entendu, ce que René Guénon appelait déjà au début du XXe siècle, le règne de la quantité. Parce que si tout est mettable en boîte, si tout est matériel, bien entendu, on va faire une échelle quantifiée, parce qu'on aime bien les chiffres, etc. Mais il faut en sortir de ça. L'intelligence est quelque chose de trop profond pour être réduite à une dimension matérielle monodimensionnelle en l'occurrence. Ok, donc sortir de ce paradigme, je comprends l'idée. J'aimerais maintenant rebalayer un petit peu sur votre parcours, sur l'ensemble des ouvrages que vous avez faits, en vous posant une ou deux questions par ouvrage. Ça vous permettra vous aussi de retracer un petit peu votre carrière scientifique et d'écrivain. Je vais commencer par le livret « L'économie de la connaissance ». Qui est votre premier best-seller d'une certaine façon. En quelque sorte, ouais, parce qu'il a été traduit en coréen, en chinois. En 9 langues, il me semble. Ah, ça, c'est le livre, ça sera Libérer votre cerveau, qui sera en 9 langues. Le livret a été traduit d'abord en anglais, coréen et chinois. Ok, ouais. Très bien. Et bien, vous expliquez dans ce livret qu'un modèle de croissance basé sur les ressources naturelles est voué à l'échec, puisque ces dernières sont limitées. En revanche, vous préconisez un modèle de croissance basé sur le savoir qui, lui, est infini. Oui. Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est êtes-vous un partisan de la croissance à tout prix, Idriss? Et c'est plus subtil que ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que je continue à défendre Pierre Rabhi, bien entendu, hein, ça, j'ai aucun problème avec ça, et je l'affirme devant la caméra, et Pierre Rabhi parle de décroissance. Et là, forcément, on a l'air de ne pas s'entendre, parce que moi, je dis une croissance infinie est possible avec la connaissance. Mais en fait, Pierre Rabhi parle aussi d'une croissance infinie qui est celle de la sagesse. Je suis convaincu que l'humain a un désir d'infinité. L'humain est né avec un désir d'éternité, d'infinité, de vie après la mort. Homo sapiens se met à enterrer ses morts assez rapidement. Homo sapiens, d'ailleurs, dès le début, c'est même chez Homo habilis, hein, puis qu'on commence à avoir la notion de la mort, et même chez les éléphants, voilà. Mais bon, chez les Australopithèques, je suis pas sûr, je suis pas un spécialiste, mais de toute façon, même chez les éléphants, on a cette notion de... Chez les corbeaux, on a cette notion de... Ah, mais est-ce qu'on n'anthropomorphise pas là-dessus? Ah non, on sait que les corbeaux portent un deuil. Ouais, donc ça, c'est quelque chose d'extraordinairement intéressant. Donc, il y a un désir d'infini chez l'humain, mais si l'humain essaie d'assouvir ce désir intrinsèque d'infini par la matière, il n'y arrivera pas. Et c'est ce qui fait toute cette psychose actuelle, c'est-à-dire que le monde matériel ne peut pas assouvir notre désir d'infinité. Mais la différence entre ça et la tertiarisation de l'économie, concrètement, entre l'économie du savoir et l'économie de service. L'économie a toujours été... Alors oui, c'est vrai que voilà, l'économie du savoir a toujours existé.
toujours, c'est la plus ancienne. L'être humain a échangé des savoirs bien avant d'échanger quoi que ce soit d'autre. Hein. On échangeait des silex, savoir tailler un silex, savoir cueillir un champignon, quel champignon est toxique, quelle baie on peut manger, etc. Où sont les sites de migration, où sont les sites de chasse, de pêche, ça c'est du savoir. Faire un arc, faire une lance, faire un propulseur, c'est du savoir. Donc l'être humain a échangé des savoirs bien avant d'échanger des matières premières, des monnaies, etc., des amphores d'huile d'olive ou du blé. Dans n'importe quelle activité économique, le savoir est impliqué. C'est juste qu'on a un cerveau de primate très matérialiste. C'est aussi pour ça, c'est facile d'être matérialiste, être spiritualiste, c'est dur, être matérialiste, c'est facile. Parce que notre cerveau voit d'abord le monde tangible. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret, notre cerveau le voit en premier. Alors, quand on s'échange un bien, quand on voit un iPhone, on dit regardez les terres rares qu'il y a dedans, et c'est exact. Mais on oublie tout le savoir qu'il y a dedans aussi. C'est-à-dire qu'un téléphone, ça vaut beaucoup plus cher que la valeur de ses composants pris séparément, et les composants valent beaucoup plus cher que leur matière première prise séparément. Il est immatériel, il relève du marketing, qui est un savoir-faire, il relève bien entendu de brevets, etc. Donc l'humain met de l'immatériel dans tout ce qu'il fait. Une coupe de cheveux, une vidange, il y a toujours de l'immatériel dans chaque activité humaine, que ce soit un plombier ou un trader. Et c'est cette activité immatérielle, c'est cette couche immatérielle qui rajoute la valeur. Et donc si l'humain mettait plus d'immatériel dans la Terre, si l'humain mettait plus d'attention et de temps dans la Terre, il pourrait créer des richesses. Alors il n'y aurait plus de déchets pour commencer. Parce qu'un déchet c'est quelque chose dont personne ne veut, et la nature ne produit pas ça. Il est possible d'atteindre une économie circulaire de haut niveau, qui est en écosystème, comme la nature, où chaque déchet produit par une usine est absorbé par une autre, comme une chaîne alimentaire. Notre mode de production aujourd'hui est idiot. On pense qu'il y a trop d'humains sur Terre. C'est faux. Il n'y a pas trop d'humains sur Terre en termes de corps. Bon, si on mettait tous les corps humains dans le Grand Canyon, ça ne ferait même pas la moitié. Et si on par était contre, tous végétariens, est-ce qu'on pourrait... Voilà, alors par contre, mais au-delà de ça, parce que ça c'est un grand sujet. Par contre, c'est l'empreinte, voilà. La question, c'est l'empreinte. Combien ça coûte de faire cette cravate, combien ça coûte de faire ce pull, combien en eau, etc., mes chaussettes en coton, combien d'hectolitres d'eau la plantation a mobilisé, etc., parce que le coton, bah, c'est ce qui a asséché la mer d'Aral, le coton soviétique a asséché la mer d'Aral. Donc, en demande d'eau. L'empreinte, elle peut être modifiée par l'ajout de connaissances fines, sophistiquées. Plus on met d'attention aux détails dans nos produits, dans notre extraction, plus on réduit notre empreinte, voire même on l'inverse. Parce qu'on a atteint un niveau où réduire notre empreinte est voué à l'échec. On a atteint un niveau où quand en Occident, on se dit « allez, je vais prendre moi l'avion », ça n'aura pas le moindre impact, parce que les BRICS, ça fait 40 ans qu'on leur a dit « notre niveau de vie, c'est notre supériorité ». Ça fait 40 ans qu'ils l'atteignent, maintenant qu'ils sont en voie. Et oui, ça fait 40 ans qu'on leur a dit, on est supérieur à vous, on peut vous donner des leçons aux Nations Unies, on va vous donner des leçons aussi par Hollywood, etc. Parce que notre niveau de vie est supérieur, vous êtes en quelque sorte des sous-civilisés. D'ailleurs, on les appelait les sous-développés. Et donc maintenant, 40 ans, on leur dit, non, machine arrière, alors déjà, petit 1, on a toujours raison, ça, sachez-le, donc c'est à nous de vous dire quoi faire. Et petit 2, bah non, faites plus ce qu'on vous dit de faire depuis 40 ans. Ça ne marchera pas. Les classes moyennes chinoises, les classes moyennes brésiliennes, l'idée pour elles de prendre moins l'avion, c'est mort. Donc, on peut s'amuser en France à essayer d'être totalement nobiliste et de vraiment se regarder entre nous et de dire oui, on a la supériorité mentale, on va partir de là, parce qu'il y a l'exception culturelle française. Donc, oui, évidemment, ça paraît évident que les Chinois vont nous suivre. Ça ne marchera pas. Ce qui marchera, je conclue là-dessus cette partie-là, c'est d'inverser notre empreinte. L'inverser totalement, c'est-à-dire d'avoir une industrie qui est rentable en plus, de l'inversion de l'empreinte. On a des biobétons, on a du béton de miscanthus, on a du béton de chanvre, de cannabis, ce qu'on appelle le hempcrete, ça absorbe des tonnes de CO2. À l'hectare de plantation de chanvre, à l'hectare de plantation de miscanthus, qui sont des mauvaises herbes, il n'y a pas besoin de phytosanitaire dessus, il n'y a pas besoin d'engrais, et en plus on ne les ressème pas chaque année. Eh bien, pfft, fixation carbone de malade, si on construisait, si toute notre filière béton était basée là-dessus, ça y est, les Chinois coulent plus de béton en 3 ans que tous les États-Unis dans le XXe siècle. De Theodore Roosevelt à George Bush fils, les États-Unis ont consommé moins de béton que 3 ans de consommation chinoise. Donc il y a plein d'opportunités pour ne pas réduire. Réduire, c'est vraiment, pardon de le dire, de la masturbation. Il faut inverser notre empreinte. Il faut qu'on ait des usines qui aient un bilan, par exemple carbone, mais un bilan déchets, tout compris. Voilà. Un bilan déchets négatif, qui absorbent les déchets. Ces industries existent. Bunter Poli en a montré
une centaine, et c'est là-dedans qu'il faut investir. L'autoflagellation occidentale en disant oui, oui, vous inquiétez pas, si on se flagelle suffisamment longtemps à la télé, les Chinois prendront moins l'avion. Vous êtes fêlés, vous êtes fêlés. Jamais 1 milliard 300 millions de Chinois, 1 milliard 300 millions d'Indiens, à qui on a vendu notre mode de vie pendant 40 ans, va accepter qu'on soit leur leader. Surtout que le soft power est en train de s'inverser. Exactement. J'y reviendrai après quand je vous parlerai de l'âge de la connaissance, votre dernier livre. Là, en l'occurrence, je voulais aborder rapidement votre premier livre, Libérer votre cerveau, où vous y abordez la question des différents logiciels qui ont été installés depuis notre enfance et qui parfois peuvent nous empêcher d'avancer. Moi, la question que je voulais vous poser, Idriss, c'est comment fait-on l'inventaire de ces logiciels et lesquels doit-on supprimer ? C'est très dur. Alors normalement, il y a un mécanisme, je ne devrais pas dire c'est très dur parce qu'après ça va décourager les gens de le faire. Il y a un mécanisme naturel qui est la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, ça s'appelle l'âge bête en France. Parce qu'on voit la personne tomber, mais pas tomber physiquement, comme un enfant qui essaie de marcher, mais tomber psychologiquement. L'âge bête, ce qu'on voit, c'est que on a un être humain qui essaie de se mettre debout psychologiquement, c'est-à-dire de prendre le contrôle sur les logiciels qu'il a appris, qui lui ont été transmis par ses parents, par son entourage, par la culture de sa société. Et à l'adolescence, on comprend qu'on a, pour parler un peu en termes d'informatique, les droits d'administrateur sur son cerveau. Alors pas complètement, parce que c'est toujours très très dur d'enlever ses névroses, etc. Mais on comprend qu'on peut décider d'installer tel ou tel logiciel et de désinstaller tel ou tel logiciel. Alors on décide d'installer des conneries, du junkware, comme quelqu'un à qui on donnerait un ordinateur ou un smartphone, puis qui n'y connaît rien, qui se met à installer la première saloperie qui tombe sur laquelle... Bah, c'est pareil, on devient gothique, on devient skater, on devient rappeur. Voilà, bon, ça c'est un premier truc qu'on installe. La première saloperie tentante et brillante qu'on voit sur l'App Store des applications mentales, on l'installe. Bon, et c'est pas forcément la bonne. Et puis ensuite, on désinstalle des trucs qui peuvent être importants. C'est ça l'âge bête. Mais c'est pas du tout un âge bête en réalité. C'est nécessaire, exactement. C'est comme ça qu'on se construit. Un enfant qui essaie d'apprendre à marcher, on l'appelle pas l'âge maladroit. Alors que, objectivement, il est maladroit. Mais on a la sagesse de ne pas appeler cet âge l'âge maladroit. On a même limite envie de l'appeler l'âge adroit, parce que l'adresse ne fait qu'augmenter. Donc, l'adolescence, c'est pareil. C'est pas l'âge bête du tout. C'est l'âge de l'adresse qui augmente psychologiquement. Qui décide de ce formatage du coup que l'on subit depuis la naissance et à qui cela bénéficie-t-il ? À notre volonté de nous conformer aux autres. C'est la pression des pairs, ce qu'on appelle la peer pressure en anglais, PIR, donc les pairs. Ça, c'est... Il y a des gens qui sortent jamais de l'adolescence. C'est horrible de voir qu'aujourd'hui dans le monde universitaire, par exemple, la pression des pairs est devenue ultime dans la construction d'une carrière, et tout un tas de chercheurs, alors que ce soit le très grand, l'immense Grigori Perelman, qui est le plus grand mathématicien vivant à l'heure actuelle, ou des mecs comme Jeffrey Lagarias, etc., ont dit il faut sortir de ce modèle-là, parce qu'il crée une conformité qui fait que les gens ne prennent plus de risques. Ils ont tellement peur, des très bons chercheurs sur le cancer, je regarde tous les prix Nobel qui sont tombés dernièrement, c'est assez flippant de voir qu'ils disent tous j'ai dû faire 10 ans, 15 ans dans mon trou, parce que sinon jamais j'aurais pu présenter ça en commission, personne n'y aurait cru. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui vont mourir parce que le médicament n'aura pas été découvert, n'aura pas été développé, parce que il y a un système qui encourage la conformité au-delà de l'innovation et de l'originalité. Donc c'est effectivement un devoir que nous avons tous de reprendre les droits d'administrateur de notre cerveau et de ne pas nous définir par rapport aux autres. Et si être libéré, c'est s'autoprogrammer, oui, en choisissant les logiciels qu'on décide de garder et de garder ou de supprimer de notre cerveau, ou d'installer d'ailleurs, comment savoir quand on est définitivement libéré ? Comment je sais, moi, si aujourd'hui j'ai encore des logiciels qui me parasitent ou pas ? Ça, je pense qu'on est définitivement libéré quand on n'y pense quasiment plus, quand c'est devenu une seconde nature que de... Il y a un maître soufi qui s'appelle Ali N. Dao, N-D-A-W. Il a écrit une très belle série d'ouvrages là-dessus, qui sont des petites bouclettes très très digestes, qu'il a appelé la thérapie de la libération, et c'est dans une collection où il a analysé le profil psychologique des grands leaders de paix. Il a analysé le profil psychologique de Martin Luther King, Nelson Mandela, Dreyfus, grand leader de paix Dreyfus, un type extraordinaire qui pardonne, sorti du bagne de Cayenne, enfin les pires atrocités, il flotte dans son uniforme, il pardonne. Et puis évidemment Eleanor Roosevelt, des gens comme ça. Et il a donné des invariants psychologiques. Il a dit voilà quelques invariants que j'ai identifiés, que tous ces gens partagent. Et ces invariants-là sont ce qui nous permettent en général de savoir qu'on s'est libéré. Donc je recommande à mes auditeurs Ali N. Dao, Thérapie de la libération, et puis je crois que ça s'appelle le parcours initiatique de la paix ou un truc comme ça. Très bien. Je voulais aborder maintenant votre dernier livre, L'âge de la connaissance. Vous y parlez d'économie verte. Moi, j'ai une petite question à vous poser. D'économie bleue, du coup. D'économie bleue.
Comment fait-on comprendre dans une période comme celle-ci que la seule façon d'améliorer le bien-être global, c'est justement de passer par une économie bleue/verte, sans être accusé de greenwashing à la botte des lobbies écolo-bobos? Bah justement, c'est ça le truc, c'est ce que je décris dans mon livre. Alors déjà, je vais en profiter pour faire, là, pour la première fois dans la caméra, une sorte d'excuse, c'est que Marc Alevi est un très bon ami, j'aime énormément ce qu'il fait, et j'étais pas conscient, moi je regardais ses confs, etc., qu'il avait sorti un bouquin qu'il avait intitulé « L'âge de la connaissance », et donc là, je voulais quand même lui dire, évidemment, de toute façon, s'il a lu le livre, il verra qu'il n'y a pas de copie ou de passage qui se recouvre, mais on partage la même vision qu'effectivement, on est rentré, il y a eu l'âge de pierre, il y a eu l'âge du cuivre, du bronze, du fer, du carbone 1, du carbone 2, donc le charbon, puis le pétrole et le gaz. Et aujourd'hui, on rentre dans le premier néolithique, l'âge de la connaissance, premier âge immatériel, l'occasion de sortir du matérialisme forcené, sans le renier, c'est-à-dire que le matérialisme a été une étape importante, encore une fois, mais il faut le dépasser maintenant. Et donc, dans l'âge de la connaissance, je commence en disant, oui, il y a une guerre vert de gris, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les verts, de l'autre côté les gris. Aujourd'hui, quasiment tout le monde s'accorde à dire on n'aura jamais emploi et nature. Nature ou emploi, donc ce que j'appelle le mensonge Noé dans mon livre, ce qui est nature ou emploi, eh bien c'est soit on a la nature, soit on a l'emploi. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, si on demande à Greta Thunberg, il va dire l'emploi, on s'en fout, c'est la nature. Si on demande à Trump, il va dire la nature, on s'en fout, c'est l'emploi. Et ils sont tous les deux convaincus que de toute façon, on ne pourra pas avoir les deux. Et pendant la première guerre mondiale, dans les guerres de tranchées, la seule chose sur laquelle l'entente et l'alliance étaient d'accord, c'était de se faire la guerre. Comment peut-on prouver justement que c'est conciliable? C'est déjà prouvé. Alors, plus que conciliable, c'est notre déjà prouvé. Écologie, économie. Il y a un pays qui, si jamais il ne trouve pas la solution au problème Noé, donc nature ou emploi, eh bien, il meurt. Et ce pays, c'est la Chine. La République populaire de Chine, précisément le gouvernement chinois, sait que s'ils ne font pas, disons, 6% de croissance du PIB, concrètement, c'est-à-dire, c'est loin d'être parfait, on va pas revenir sur les questions du PIB, tout bon, mais concrètement, leur contrat social, c'est prospérité, pour une culture confucianiste, c'est très important. Les anciens doivent assurer un meilleur niveau de vie à leurs enfants. C'est une question d'honneur, c'est une question de ne pas perdre la face. Et ensuite, après, les enfants, évidemment, assurent la retraite des anciens par leur activité économique. Et dans une culture confucianiste, matérialiste forcené également, eh bien, il y a cette idée fondamentale donc que la croissance, c'est un devoir des générations précédentes aux générations suivantes. Les Chinois tiennent la Chine, en l'occurrence le Parti communiste chinois tient la Chine par 6% de croissance. Sous les 6%, ça commence à vaciller. Sous les 6%, ça commence à sentir le sapin pour eux. Et ils savent, donc d'une part, ils savent que s'ils tombent sous les 6%, ça va commencer à vibrer. Et d'autre part, ils savent que le prochain Tiananmen, alors je parle en Chine continentale, pas à Hong Kong, mais le prochain Tiananmen en Chine continentale, ça sera parce qu'il y aura des problèmes écologiques. Ça sera parce qu'on ne peut pas respirer à Shanghai ou à Pékin. Ça sera parce qu'il y a des villages du cancer. Ça sera parce qu'une fois, il y a eu des centaines ou des milliers de carcasses de porcs qui ont traîné dans le Huangpu, le fleuve. C'est un désastre écologique qui va causer... Ce sera un cas écologique grave, qui, malgré tout le contrôle médiatique, finira par percoler. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Donc, les Chinois, s'ils ne peuvent pas avoir écologie et économie, ils sont morts. Mais la bonne nouvelle, c'est que petit 1, on peut, mais petit 2, le pays, la nation qui arrivera à développer un modus vivendi basé sur nature et emploi à grande échelle, parce que Singapour le fait déjà, Singapour est très attractive, mais c'est une cité-État. Un pays qui y arriverait à grande échelle au 21e siècle, c'est le leader mondial. Quoi qu'il fasse, qu'il soit démocratique ou pas, si un pays arrive à avoir nature et emploi, même sans la démocratie, j'insiste parce que Singapour... pas une démocratie, bon. Mais un pays qui arrive à avoir nature et emploi à grande échelle... À concilier les verts de gris et... Ouais, et ben, c'est ça, à dépasser la... C'est le leader culturel mondial du 21e siècle, c'est lui. Donc, les Chinois en sont parfaitement conscients, et ils ont un bond de soft power qu'ils peuvent prendre avec la capacité à réconcilier nature et emploi. Et est-ce que le biomimétisme peut être quelque chose qui peut nous aider à réconcilier l'écologie et l'économie, et l'emploi et la nature? Si oui, comment vous définissez-vous le biomimétisme rapidement? Donc, le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature pour innover.
Oui. Durablement, en conséquent, parce que quand on s'inspire de la nature, on innove durablement. Mais c'est pas nouveau ça. Par exemple, je pense à l'hélicoptère qui s'est inspiré de la libellule. C'est très vieux. La lance de Socrate, était un hoplite. Il a fait la guerre du Péloponnèse et certaines sources disent que sa lance était déjà en forme de feuille de saule parce que ça permettait de l'extraire plus rapidement d'un corps. Bon, c'est un peu glauque, mais la formation de la tortue chez les Romains, c'est déjà de la bio-inspiration. L'aurica segmentata ou l'aurica squamata, il y avait deux types d'armures chez les Romains, et une des deux s'inspirait des écailles, l'armure des cataphractes, la cavalerie lourde pendant la Et pour vous, c'est cette nature qui doit inspirer toutes les innovations durables de demain? Oui, parce que la nature, c'est 4 milliards d'années de recherche et développement, on peut pas tester. Et la nature a innové à un niveau extrême sur les questions des déchets. Typiquement, l'oxygène a été un déchet. Il ne faut pas oublier, l'oxygène a été un déchet. L'ADN déteste l'oxygène. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique, parce que l'ADN a évolué sur un squelette de désoxyribose pour se protéger du stress oxydatif de l'oxygène. Donc, l'oxygène était un poison. Mais c'est grâce à lui que l'ADN, je ne vais pas dire apparaît, mais la notion de noyau, l'apparition des cellules eucaryotes, elle est stimulée par la présence d'oxygène. Protéger le génome avec cet acide désoxyribonucléique et le protéger en plus dans un noyau, pour aller plus tard vers des formes de vie multicellulaires élaborées, l'oxygène a été un déchet. La grande oxygénation a détruit la plupart des formes de vie sur Terre quand elle a eu lieu, mais elle a été un facteur d'évolution majeur. Et aujourd'hui, évidemment, c'est grâce à l'oxygène que la Terre est bleue, puisque l'ozone renvoie du bleu dans notre direction. C'est la dispersion de Rayleigh, Rayleigh scattering, je ne sais pas le traduire en français, par cet oxygène. Donc, essentiellement, la nature nous montre qu'elle arrive à faire du judo avec ses déchets. Le bois a été un déchet, faut pas l'oublier, la période du carbonifère vient du fait que quand le bois apparaît sur Terre, aucun champignon n'existe qui peut le digérer, et donc le bois est une matière indigeste, non biodégradable, qui s'accumule, c'est ça qui est dingue, hein. Ces grands gisements de bois vont donner le carbonifère. Donc la nature fait un judo permanent avec ses déchets, elle nous en apprend tellement, il faut la copier pour nos usines, c'est ce que dit Gunther Pauli, ce n'est pas à la nature de ressembler à nos usines, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à nos usines de ressembler à la nature. Vous communiquez beaucoup autour des problématiques monétaires en ce moment, inflation en Occident, déflation au Japon, et vous faites le constat que la monnaie mondiale est malade, enfin à l'échelle internationale. Oui. Est-ce que le salut se trouve dans les crypto-monnaies selon vous ? En partie. On peut pas. C'est comme quelqu'un qui a un cancer du sang ou quelqu'un qui a besoin d'une perfusion. On ne peut pas perfuser quelqu'un uniquement avec du plasma. On a découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on pouvait perfuser des gens avec des noix de coco. L'eau de coco, qui est une cellule en fait, hein, c'est du cytoplasme, c'est assez impressionnant, c'est une cellule géante, l'eau de coco, eh bien on peut perfuser des gens avec, parce qu'elle est au pH physiologique et puis aux paramètres de pression physiologique. Donc un soldat, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au Japon, ou dans le Pacifique, on pouvait lui faire remonter sa tension, s'il avait perdu beaucoup de sang, en lui faisant une perfusion avec de l'eau de coco. Bon. Mais ça ne va pas améliorer son hématocrite, donc son taux de globules rouges, sa capacité à transporter de l'oxygène, etc. Les cryptos, c'est un ingrédient. Mais aujourd'hui, la monnaie mondiale a le cancer. Voilà, il y a un cancer. Et donc beaucoup de gens, par naïveté, se disent « s'il y a cancer, il suffit d'enlever l'organe ». Donc on parle, beaucoup de gens disent « j'aimerais aller dans une société post-monétaire », mais en fait, en général, ce qu'ils appellent société post-monétaire, c'est une société pré-monétaire de troc. Ils disent « voilà, on revient ». C'est plus global, selon vous. Oui, si on revient à du troc, ça va être une catastrophe pour les productions de la civilisation humaine. On ne peut pas avoir de production complexe, cette vidéo, etc. Les productions complexes humaines ne durent jamais longtemps quand la monnaie disparaît. C'est connu depuis l'âge de bronze. On ne peut pas avoir un Bohémien Rhapsody, on ne peut pas avoir le bon La Brute et le Truand sans monnaie. Ce sont des produits qu'on ne peut pas avoir de fusée sans monnaie. C'est quelque chose de trop complexe pour être généré sans un intermédiaire au troc. Donc les cryptos, c'est quoi? C'est une béquille selon vous? Non, c'est un bon moteur d'évolution. C'est-à-dire que les cryptos amènent un cahier des charges nouveau. Elles montrent qu'on peut avoir des monnaies décentralisées. Elles montrent qu'on peut avoir des monnaies donc, qui sont protégées par autre chose que le filigrane, l'hologramme, le micropoint et tout le bazar. Et effectivement, les banques avaient commencé à déconner, il faut le dire, les banques ont déconné sur les modes de règlement, sur les coûts. Aujourd'hui, les taux négatifs aggravent ce problème, parce que le métier de banquier n'est plus rentable avec les taux négatifs, donc ils essaient de gratter de l'argent partout où ils peuvent. Moi, j'ai été à la banque cantonale de Neuchâtel, par exemple, ils prenaient 6 balles sur chaque compte tous les mois, comme ça, frais de bouclement de compte, ils appellent ça. Donc il y avait 6 comptes, boum, 36 tous les mois, pas de problème, plus qu'un abonnement Netflix pour juste faire leur métier. Parce qu'avec les taux d'intérêt négatifs, c'est plus rentable d'être banquier. Le métier de banquier
normalement, c'est d'emprunter à court terme de l'argent qu'on prête à long terme. Dans l'économie mondiale, la lymphe bancaire, parce que c'est comme voilà, un fluide, c'est physiologique, quoi, la physiologie du vivre ensemble mondial, la lymphe, c'est l'argent, eh bien, les ganglions lymphatiques, et on le voit quand on a la peste, on a les ganglions qui gonflent, c'est la peste bubonique, bah, les banques sont des ganglions de cette lymphe mondiale. Et là, aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'elles sont sclérosées, durcies. Ces ganglions, on Notamment les à cause voit des taux d'intérêt négatifs. à cause des taux d'intérêt négatifs, à cause du fait qu'elles se font plus confiance entre elles. Les banques ne se font plus confiance, elles se prêtent plus entre elles. Et ça, c'est un gros, gros problème. On est en train, et c'est pour ça que si on avait un médecin qui pouvait palper les ganglions de l'économie mondiale, il dirait, oh, c'est dur là, c'est pas fluide. Eh bien, les banques se prêtent plus entre elles, c'est dur. Bon. Et effectivement, aujourd'hui, les cryptos amènent des voix, ils disent, regardez, on pourrait faire comme ça, on pourrait avoir d'autres moyens d'échange. Donc, les cryptos seules, pour l'instant, dans leur état actuel, ne sont pas du tout prêtes à être demain remplacées la totalité de l'économie, etc. Mais elles sont un peu comme le lièvre, vous savez, dans les courses de lévrier. Voilà, on fait que on a un lièvre mécanique qui va courir, qu'on va envoyer à très haute vitesse, et puis les lévriers vont courir derrière pour les stimuler. Les cryptos peuvent être ça pour les banques, parce que les banques ont besoin d'évoluer, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une leucémie, un cancer du sang, ou un cancer de la lymphe, puisque dans la lymphe, donc, il y a des cellules immunitaires, un cancer de la lymphe à l'échelle mondiale, il y a un cancer du vivre ensemble qui vient du cancer de la monnaie, effectivement. Parce qu'il, pendant longtemps, les grands enjeux politiques, c'était communisme contre capitalisme. Bon, le capitalisme n'étant pas une doctrine, c'est un état de fait, alors que le communisme est une doctrine. Mais pendant longtemps, c'était ça. Ensuite, il y a eu la période d'unipolarité, où les Américains ont fait n'importe quoi. Alors, George Bush père a été beaucoup plus modéré que son fils, et il a tenté d'imposer son fameux nouvel ordre mondial qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé en 2003. Mais aujourd'hui, la grande tension, c'est plus communisme-capitalisme, c'est globalisme contre nationalisme. C'est ça les grandes tendances politiques. Mondialisme contre souverainisme, Voilà, ça. exactement, mondialisme contre souverainisme. Et on le voit avec un deuxième tour Macron-Le Pen. C'est exactement ça que ça représente. Bon, sauf que, alors, dans le cas du Rassemblement national, je ne pense pas du tout que ça soit un représentant réel du souverainisme en France. On pourrait en parler beaucoup plus de façon beaucoup plus approfondie sur le plan géopolitique. J'ai préfacé l'excellent livre de Charles-Henri Gallois sur les illusions économiques de l'Union européenne. Donc, je le recommande très vivement pour avoir une Mais vision. du coup, c'est un souverainisme populiste. Voilà, sans doute. Alors, dans le cas de l'Italie, c'est différent parce que la France n'a pas la proportionnelle. C'est évidemment Charles de Gaulle qui a voulu ça pour avoir une France gouvernable à une époque où elle ne l'était pas. En Italie, ils sont à la proportionnelle, bien entendu, c'est une république parlementaire, donc on a un mélange de souverainisme, de populisme, etc., d'antisystème, le mouvement 5 étoiles, la Lega avec Salvini, et aujourd'hui, bah, évidemment, des tensions entre le mouvement 5 étoiles et la Lega, mais le pouvoir qui a pris, enfin, le gouvernement majoritaire qui a pris le pouvoir en Italie est évidemment anti-globalisation et souverainiste. Et c'est une tendance qu'on voit de façon générale dans le monde. Vous dites que les grandes révolutions de la pensée passent par trois étapes: la phase du ridicule, la phase du danger et enfin l'évidence. La révolution que préconise Idriss Aberkane, elle en est à quelle phase selon vous? Bah, elle a connu le ridicule, elle a connu le dangereux. Pour certains, elle est évidente. Ce que je souligne dans ces trois étapes qui nous viennent donc de Schopenhauer et de Gandhi, c'est que c'est pas synchrone. Il y a des groupes sociaux pour lesquels c'est ridicule, il y a des groupes sociaux pour lesquels c'est dangereux, des groupes sociaux pour lesquels c'est évident. Par exemple, le port du pantalon pour les femmes, il est passé par ces trois étapes. Et c'est normal, c'est même bien, c'est une bonne chose en réalité que d'avoir ces trois étapes, que ce soit asynchrone, parce qu'il ne faut pas que l'humanité plonge dans la pensée unique. Je ne sais plus quel psychologue américain a dit, quand tout le monde pense pareil dans la salle, ça veut dire que quelqu'un ne pense pas. Donc c'est très bien que dans n'importe quelle révolution, il y ait des gens qui pensent que c'est ridicule, il y ait des gens qui pensent que c'est dangereux, il y ait des gens qui pensent que c'est évident. C'est très bien, c'est nécessaire, c'est sain. C'est sain. Donc il est clair qu'on ne peut pas être révolutionnaire sans avoir été appelé ridicule ou dangereux. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas le moindre contre-exemple dans l'histoire. Vous ne trouverez aucun révolutionnaire dans l'histoire, que ce soit scientifique, politique, philosophique, religieux, dans n'importe quel domaine, qui n'a pas été considéré comme ridicule ou comme dangereux. Donc ça serait la preuve, si demain vous avez été considéré comme ridicule, dangereux et enfin dans l'évidence, que vous êtes un révolutionnaire. Pour tous mes clients, je suis évident. C'est-à-dire que pour tous mes clients,
J'ai donné plus de 560 conférences dans le monde entier, en trois langues, à une très très grande diversité de boîtes internationales, puisque je pense que c'est là qu'il faut agir en priorité. Moi, je ne parle pas au type qui arrive au supermarché avec son Tupperware, il est déjà convaincu. J'ai rien à lui dire, il sait déjà faire ce qu'il faut faire. Il faut parler aux pollueurs. Moi, j'arrive en parlant aux pollueurs, en parlant leur langue. C'est très important quand on est dans la diplomatie, il faut parler la langue de la personne à qui on s'adresse. Eh bien, moi, je parle la langue des pollueurs, c'est-à-dire le dollar. Je leur dis, ce que vous jetez, là, ça vaut de l'argent. Vous l'appelez un déchet, vous êtes con. Ça pourrait être dans votre bas de bilan. Ça, ce truc que vous appelez un déchet, en réalité, si vous saviez l'utiliser, vous pourriez gagner beaucoup d'argent et en fait, ça serait plus un déchet. Et là, tout le monde y gagne et j'ai aucune honte à ça. Mais c'est vrai que Günther Pauli, par exemple, quand il arrive entre les deux, entre les écologistes, disons les verts et les gris, bah, au début, il se fait tirer dessus les deux côtés. C'est-à-dire quelqu'un, un Jean Jaurès, il a été assassiné. Jean Jaurès, il arrive, il dit « la guerre est inutile, elle va vous tuer. La guerre va nous détruire pour rien ». Elle va, alors, la Première Guerre mondiale, c'est la mère de tous les enjeux du 20e siècle et même du 21e. Je veux dire, on est toujours dans la vague, comme dans un tremblement de terre, dans la réplique de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale vient de la première, la Révolution soviétique vient de la première, l'État d'Israël aurait pu être créé en 1917, au même moment que les révolutions arabes. Au moment où les Juifs et les Arabes se battaient dans le même camp et étaient solidaires, on a plein de témoignages de personnes qui ont vécu à cette époque, qui ont écrit « oui, on a construit le port de Haïfa ensemble, etc. » On était tous les deux des peuples colonisés. Enfin, tout aurait pu être différent si la Première Guerre mondiale n'avait pas eu lieu ou avait été résolue d'une autre façon, sans le traité de Versailles typiquement. Mais à cause de ça, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la décolonisation, on a eu la guerre froide, on a eu les Balkans, on a eu, etc. Bon, l'effondrement de l'Union soviétique, la situation géopolitique actuelle. Donc, Jaurès arrive, dit « ne vous battez pas, c'est un suicide ». Il se fait assassiner. Günther Pauli arrive, il dit « ne vous battez pas, c'est un suicide ». Heureusement, il se fait plus assassiner, mais il y a ce qu'on appelle du caractère assassination. Puis tuer médiatiquement peut-être, je sais pas. Un mec comme Günther est intuable médiatiquement. Ses arguments sont tellement bons, il y a juste des gens qui vont se priver de ses connaissances pendant un certain temps, mais il a reçu des prix en Chine, ses fables sont au programme obligatoire des écoles maternelles en Chine, en Inde il est accueilli comme un chef d'État, enfin ça y est, c'est plié. Mais effectivement, il y a eu des tentatives de caractère assassination contre Günther Pauli, comme il y en a eu contre Céline Alvarez, comme il y en a eu contre tout un tas de penseurs. Donc ça, c'est la nouveauté. Voilà, Jaurès a été assassiné physiquement, Lincoln a été assassiné physiquement, Günther Pauli, quelques personnes essaient de l'assassiner en termes de character assassination, c'est-à-dire des méthodes de voyous, il faut être très très clair, mais ça marche pas. On voit Günther Pauli, son message est tellement excellent que c'est inattaquable. Et c'est là que, effectivement, on voit un optimisme qu'on peut revendiquer, que oui, le monde peut avoir économie et écologie, et oui, un révolutionnaire qui n'est pas ridicule ou dangereux, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un révolutionnaire en carton. Dernière question, enfin avant-dernière, mais la dernière c'est plus un gimmick pour tous les invités. Avant-dernière question, tu as mis en lumière dernièrement un scandale, celui du charnier de l'université Paris-Descartes. Est-ce que tu aimerais en toucher quelques mots là aujourd'hui devant moi ? Alors bon, là, c'est pas moi qui l'ai mis en lumière, c'est Anne Jouan, journaliste indépendante, qui a publié à l'Express son dossier, mais qui a bossé pour Le Canard ou pour Le Figaro. Je me suis permis de te tutoyer pour te poser les questions. Aucun problème. Moi, ce que j'ai apporté en plus, parce que j'ai une expérience assez approfondie de scandales sanitaires dans la 5e République, en particulier, que j'ai cité sur ma chaîne, l'affaire du sang contaminé, que j'ai beaucoup étudié, et l'affaire de l'amiantage de la tour principale de Jussieu, enfin tout le campus de Jussieu en l'occurrence, mais de la tour en particulier, la tour Zamansky. Et ça a coûté quasiment 2 milliards d'euros aux contribuables français, c'est des amiantages. Et donc dans les deux cas, la réponse judiciaire n'a pas du tout été à la hauteur des victimes, du tout, c'est scandaleux. Le doyen, je pense qu'il n'a pas forcément été, qu'il ne s'est ni pas le doyen, excusé, le président. Alors c'est ça le truc, c'est justement, dans le cas de l'affaire du sang contaminé, on a le baron de l'affaire qui s'appelle Jacques Biot, il faut nommer les gens, ils ont le droit à un procès équitable, ils ont le droit de se défendre, mais il faut les nommer. Jacques Biot, B-I-O-T, eh bien, était le conseiller technique de Laurent Fabius pendant l'affaire du sang contaminé, c'est lui qui a dit à Laurent Fabius, je vous recommande, le terme exact c'est une gestion astucieuse du calendrier concernant le test des poches de sang. Sa gestion astucieuse, ça voulait dire en gros, on attend pour favoriser un laboratoire français. Bon, on attend, très bien, et bien du coup on a des milliers de personnes qui sont contaminées, leur vie est brisée, peut-être qu'elles l'ont transmis par rapport sexuel, on n'a pas de documentation là-dessus, donc peut-être que beaucoup plus de ces gens-là
que ces gens-là ont vu leur vie brisée à cause du vice total déontologique et éthique et scientifique, hein, faut être clair, c'est là, humain même, hein, d'une personne. Et ben, cette personne a fini sa carrière comme président de l'école polytechnique. C'est scandaleux. Enfin, l'école polytechnique a croulé sous les scandales dernièrement, donc je ne vais pas y revenir. Mediapart a fait un dossier long comme ça sur le harcèlement sexuel, sur des affaires de viol rapportées au procureur. Enfin bon, ils se sont salis. Je suis profondément outré de ça, d'autant plus que j'ai fait ma thèse à l'école polytechnique. Hein, je le reconfirme bien entendu aujourd'hui. Je suis docteur de l'école polytechnique. J'étais inscrit à l'école doctorale de l'IX, qui a fusionné entre temps avec Paris-Saclay, mais j'y ai payé mes frais d'inscription. J'y ai été sélectionné, bien entendu. Donc, sans contaminer, je ne veux pas que ça se répète avec l'affaire du charnier de Paris-Descartes. Parce qu'à l'époque, ce Jacques Biot a été protégé. Et vous estimez que le président aujourd'hui de Paris-Descartes est un peu le Jacques Biot de... Ah oui, totalement. L'équivalent d'un Jacques Biot à l'époque du sans contaminer. Totalement. Sauf que, encore, Jacques Biot, sa responsabilité était très inférieure, même si elle était grave. Hein. Même si elle était grave. Sa responsabilité était très inférieure à celle de Frédéric Dardel, il faut le nommer, président de l'Université Paris-Descartes de 2011 à 2019, qui est donc, alors là, on va citer les textes de loi, et ça a été ma contribution journalistique, d'être le premier à dire, on arrête tout, article 712.2 du Code de l'éducation, c'est le président de l'université qui porte la responsabilité de la salubrité publique, du respect des commissions d'hygiène, de l'ordre public, il a des pouvoirs de police qui lui sont conférés, et donc, si jamais il y a des délits ou des crimes, qui sont perpétrés dans l'enceinte de sa fac de façon prolongée et qu'il ne peut pas ne pas en avoir connaissance. D'ailleurs, toutes les preuves sont là, il en avait connaissance. Si jamais quelqu'un se fait arracher les dents par un tortionnaire dans un commissariat... On va voir le commissaire. Exactement. C'est pas le brigadier, c'est pas le lieutenant, c'est le commissaire. Le commissaire dans l'affaire du charnier de Paris-Descartes, donc je la résume pour notre auditoire, c'est une affaire scandaleuse où des coordonnées à la science ont été laissées à pourrir, parfois mangées par des rats ou des souris, ou avoir des mouches qui pondaient dedans. Vendues parfois, genre. Vendues parfois, exactement, sans leur accord. Moi j'ai dit, ok, alors vous voulez qu'on les vende, pas de problème, vous demandez aux familles, vous signez, non, pas... Bon, pour un type comme Dardel... Vendu à qui d'ailleurs ? Est-ce que vous avez Alors, certains témoins ont parlé de possibilité de les utiliser pour des crash tests, etc. Bon. Et Dardel est cité dans le dossier de l'Express en disant, vous savez, c'est comme votre congélateur, hein, les pannes c'est toujours pour le mois d'août. Ce type ne faisait pas la différence entre une boîte de poisson pané et un corps humain donné à la science, des types courageux. Et vraiment, il a tué la science avec ça. C'est un type qui a fait tellement de mal à la science. On parle en ce moment des charlatans, des pseudosciences. Mais ça, c'est pire que des pseudosciences, c'est de l'anti-science. C'est salir la science en son cœur. Parce que là, on salit la confiance en la science. On salit la confiance en l'institution. On salit la confiance en ces médecins qui ont besoin de cadavres frais, non congelés, pour pouvoir préparer des opérations, sauver des vies. Le nombre de vies qui sont sauvées, demandez au professeur Lantieri. C'est un héros, ce monsieur. Il a greffé des visages. Il a greffé des mains. Eh bien, pour entraîner, évidemment, ses équipes au greffe de mains, il allait à la faculté des Saint-Pères. Il avait vu, il avait été témoin, il avait alerté. Donc, et le professeur Lantieri est un héros des temps modernes. Ces héros-là sont salis par des gens comme Frédéric Dardel. Frédéric Dardel, pourquoi je le pointe doublement du doigt encore plus aujourd'hui, outre le fait que l'article 712.2 du Code de l'éducation est absolument impitoyable vis-à-vis de ses responsabilités, c'est que tous les acteurs, les suspects dans cette affaire ont parlé. Tous. Axel Kahn a parlé. Il a été président avant Dardel, il a parlé. Il a été que 4 ans, Dardel l'a été 8 ans, et Dardel c'était au cœur des faits. Quand, évidemment, la journaliste Anne Jouan confirme... C'est une histoire de longue haleine, c'est une histoire qui dure depuis un certain temps. La journaliste Anne Jouan confirme que ça dure depuis longtemps. Mais quand son dossier commence essentiellement en 2011, donc là, on peut pas... C'est en pleine présidence Dardel. Et donc, Axel Kahn a parlé, le professeur Valencien a parlé, qui aurait pu être un suspect aussi, il a tout de suite parlé, il a eu le courage, il a dit, bon voilà, j'étais... Il n'a pas essayé de se cacher, il a dit que j'étais chef de ce centre du don des corps, il est passé en interview à la télé. Alors bien sûr, il a essayé de se défendre, c'est normal, n'importe quel humain a le droit de se défendre, mais il a parlé. Frédéric Dardel, à l'heure où nous enregistrons cette interview, et dans un silence radio total, absolu, j'ai fait plus de 7 demandes au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en tant que journaliste. 7 demandes pour avoir une interview de Dardel. Ça vous a été refusé ? Sourde oreille.
sourd d'oreille. Même pas refusé, sourd d'oreille. Ouais, sourd d'oreille. J'ai essayé d'appeler Dardel. Je me suis procuré, bien entendu, j'ai fait mon travail. Je me suis procuré son téléphone portable. Je me suis procuré son téléphone fixe. Silence radio total, absolu de cet homme qui a détruit la confiance en la science. La boucle est bouclée. La première question, c'était définir les facettes. Enfin, j'ai essayé de voir les facettes qui pouvaient vous définir. Il y en a une de plus, journaliste. Investigateur. Écoutez, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, hein, j'accuse. Hein, c'est la première fois. Quand des gens ont menti sur moi, je n'ai rien dit. J'ai juste publié mon CV. J'ai pas dit que je vous accuse de mensonge. Un hommage à Dreyfus aussi, que vous citez, que vous avez cité là, pendant l'interview. Dreyfus, c'est un de mes héros, effectivement. Je ne fais pas référence au film en particulier, mais je fais référence à Monsieur Dreyfus, c'est un de mes héros. Bon, même si, effectivement, en l'occurrence, c'est Zola pour j'accuse. Mais oui, Dreyfus, c'est un héros parce qu'il pardonne. Il pardonne, et ça c'est quand même quelque chose de très grand de sa part. Mais il est allé jusqu'au bout, il a eu une patience incroyable, et on manque de Dreyfus aujourd'hui. Mais vraiment voilà, donc c'est la première fois que je me lance dans un réquisitoire aussi frontal, parce que là trop c'est trop, parce que là je ne suis pas affecté personnellement par cette affaire, même si je connais des personnes qui ont donné, dont des proches ont donné leur corps à la science, et très certainement vu leur domiciliation à la faculté des Saint-Pères. Mais là, il fallait trop, c'était trop. Vraiment. J'ai vu la corruption universitaire sous beaucoup de facettes. On pourrait parler de l'affaire Cacomo, hein, ce pauvre monsieur qui a été psychiatrisé de force pendant 36 mois. Et de façon illégale, le parquet a reconnu l'illégalité de son hospitalisation psychiatrique contrainte. L'affaire Cacomo, pour les gens qui regardent cette vidéo, ça va être une des affaires les plus sordides de corruption universitaire courante. Et il faudra la suivre, hein, parce qu'il attaque en justice, bien entendu. Il a eu gain de cause vis-à-vis de l'hôpital psychiatrique. Il attaque maintenant l'université qui l'a fait arrêter sur le campus. C'était l'université de Perpignan. Et c'était sous la présidence d'un certain Lorente, qui voulait d'ailleurs faire de la politique à Perpignan. Donc c'est une affaire à suivre. Mais voilà, ça c'est un cas. Maintenant, j'ai une longue expérience du sordide de la corruption universitaire en France, mais là, l'affaire du charnier de Paris-Descartes... C'est le paroxysme de ce que vous avez vu. Il fallait nommer le suspect numéro un. Le paroxysme, ça reste l'affaire du sang contaminé, mais elle est vieille. Actuellement, c'est le paroxysme, il fallait nommer le suspect numéro un. Il ne s'est pas exprimé. Dans n'importe quel pays, Allemagne ou en Scandinavie, La ministre sautait. Puis on ne va pas hiérarchiser le sordide, finalement. Voilà, exactement. On ne va pas hiérarchiser, ça c'est vrai, on ne va pas hiérarchiser le sordide. Mais dans n'importe quel de ces pays où la corruption est évidemment beaucoup moins tolérée, la ministre sautait dans la journée. Aujourd'hui, elle insulte les Français, c'est une insulte, en ne remettant pas... Elle met à pied, on peut dire mise à pied. C'est-à-dire, on voit le cas d'Oxford. Quand Tariq Ramadan a eu des affaires graves, eh bien Oxford a dit on le met à pied. C'est tout. On attend, mais on le met à pied. Et en l'occurrence, en partenariat avec lui, etc. Bon, ok. C'est normal d'être mis à pied quand on n'a pas été encore jugé, justement, qu'on est présumé innocent. Mise à pied, c'est pas infamant. Oui, mais ça nous empêche d'exercer une activité dans le cas de Tariq Ramadan avant d'être même. Dans le cas de Dardel, en tout cas, il serait payé. Il serait mis à pied avec salaire, il faut arrêter. Il toucherait son salaire. Au contraire, ça lui permettrait de préparer sa défense et de préparer, comme disent les Américains, your day in court. Ton jour, tu vas passer une journée en cour quand même. Peut-être que tu seras innocenté, peut-être qu'on dira que la responsabilité était trop diluée pour que tu sois accablé personne. Ok, peut-être. Bon, ce serait scandaleux selon moi, mais ok. On peut par exemple priver, je suis pas juge. Vous preniez l'exemple de Tariq Ramadan, on peut le priver d'enseigner, qui est peut-être une lune de ses passions, pendant un certain moment, non, mais le temps du procès. Ça crée quand même tout de même un précédent, enfin en tout cas une base. On disait voilà, on reconnaît la gravité de la situation, on va faire quelque chose. Là, pour Frédéric Vidal, face à Frédéric Dardel, qui est son conseiller spécial, rien du tout. Et je l'ai dit, je l'ai dit sur Twitter, mais je le répète ici, chaque jour qu'elle passe à protéger Dardel épelle une lettre du mot corruption. Très bien. Dernière question, la chaîne s'appelle Le Journal des Débats, c'est une question que je pose à tous les invités. Quel est votre conseil, Idriss Aberkane, pour rendre le débat plus prolifique en France, et peut-être moins clivant et moins polarisé? Bon, alors j'avais vu dernièrement... en France, c'est vrai qu'on aime bien, il y a le côté combat de gladiateurs, on aime bien quand ça saigne. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt d'enlever. Les humains aiment l'émotion. Je regarde un peu des débats de tout, hein, sur tous les domaines. J'ai regardé un débat dernièrement entre Asselineau et Charles Gave. Et ça m'a beaucoup rappelé ce que disait Alexandre Astier dans Kaamelott. Alexandre Astier, son mode de jeu est basé sur De Funès.
Alexandre Astier est un fan absolu de Funès, et on a tout un tas de même d'épisodes de Camelot où ça se voit, c'est-à-dire la potion de vivacité, là où il bouge dans tous les sens, c'est exactement ça. Et il explique ça très bien, et c'est tout à fait exact. De Funès, tout est lent autour de lui. De Funès, c'est un acteur qui arrive sur le tard, il est pianiste au départ, et il est résolu à impérativement faire son trou. Et le rôle de sa vie, ça va être le rôle qui va lancer sa carrière, même s'il en avait eu avant, c'était la traversée de Paris avec Bourvil et Jean Gabin, où il y a cette fameuse scène où ils sont chez un contrebandier, un mec qui fait du marché noir, et c'est Louis de Funès. Et Gabin est là, Jambier, je veux 2000 francs, comme ça en gueulant. Bon. Et c'est parce que Louis de Funès joue tellement vite que Gabin, qui est un vieux briscard du cinéma, se rend compte qu'il est en train de lui prendre la vedette. Et Gabin ne peut pas aller vite, c'est pas son style. Gabin, c'est le type posé, je sais plus qui a dit, tu mets Gabin de dos face à deux nanas, on a l'impression que c'est un mec qui va relever les compteurs. Enfin, c'est... Bon, et Gabin donc, élève la voix, et ça fait une audience qui cartonne à l'époque, et ça relance la carrière de Gabin. Et ça lance la carrière de Funès, puisqu'on écrit, voilà, de Funès, c'est le mec qui révèle Gabin. Et de Funès et Gabin se pouvaient pas. Je ne vais pas dire qu'ils ne pouvaient pas se blairer, mais Gabin mettait des peaux de banane sous de Funès en permanence, mais ça a donné son magnifique rôle, le tatoué, où justement cette tension permanente entre Gabin et de Funès est transcendée, et ça cartonne. Eh bien, dans ce débat, Charles Gave Asselineau, on a Charles Gave qui est connu, réputé pour couper la parole. C'est un type, il coupe la parole, ça peut être très chiant, mais en même temps il sait de quoi il parle, alors on a envie de le laisser parler, mais voilà, il peut arriver, poum, il coupe la parole à un mec sans pitié. Asselineau, c'est la vieille école, il explique, long, il délaye, etc. Il y a un côté dignité de la fonction publique, mais du coup, face à Charles Gave, ça l'a forcé à élever la voix. Puis évidemment, il n'était pas d'accord, évidemment, parce qu'il y avait quand même cette grande question du rôle de l'État dans l'économie, où ils ont des points de vue totalement opposés. Et ce clash a été très bénéfique, très très bénéfique. Ça d'ailleurs, les types s'y sont pas trompés, la miniature YouTube, ils ont mis un Asselineau en kimono, et puis pareil, Charles Gave aussi. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire Charles Gave en l'occurrence, c'était de Funès. Il n'y a pas d'insulte à ça, physiquement, il n'y a rien à voir, mais plus de paroles par seconde, par minute. Et Asselineau, c'était Gabin, mais un Gabin sur le retour, c'est-à-dire, voilà, il sait, il a une expérience qui était en minimum syndical en termes de jeu. Parce que Asselineau n'aime pas le pathos, voilà, c'est pas son style. Bon, alors un des problèmes en politique, c'est que ça, faut ramener ça à ça, et c'est la raison pour laquelle Mélenchon a fait une campagne extraordinaire au présidentiel, c'est que les Français votent pour le pathos. Les Français votent pour les émotions. Un candidat qui ne dégage pas d'émotions ne fera jamais plus de 2%. Ça, c'est quelque chose qui est systématique en France. Il faut de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, et encore de l'émotion. Et un candidat qui ne dégage pas d'émotions, il fera pas plus de 2%, même si ses arguments sont bons, même si tout ce qu'il dit est correct, il fera pas plus de 10%, parce que... Et ça, c'est Hume, hein, David Hume, le philosophe, qui l'a démontré bien avant les neuroscientifiques. David Hume a dit... La raison est au service des émotions chez l'humain. Les humains prennent leurs décisions avec leurs émotions, ils rationalisent ensuite. Ils disent « Ah oui, non, mais c'est parce que ce qu'il dit est très intéressant, je l'ai vu dans... » Non, la décision, elle est prise au départ émotionnellement, et ensuite, la raison sert à rationaliser un choix émotionnel qu'on a fait. C'est ce qui manque peut-être à Asselineau, du coup. Alors, je le pense totalement, mais c'est pour ça que quand il est face à quelqu'un comme Gave, ça le révèle. Quand il est dans une situation d'opposition où il peut développer une sainte colère, dans le style Gabin, c'est-à-dire Jambier, pas trois phrases à la minute, etc., pas trois phrases à la seconde, etc. Mais quand il peut développer de l'émotion dans son style, sans rester, parce que l'authenticité reste essentielle, faut pas aller prendre un coach en communication, genre on voit ce que ça a donné avec Eva Joly, bon, elle dégageait aucune émotion, alors qu'elle avait des arguments tout à fait intéressants. Eva Joly, il n'y a pas de problème, c'était quelqu'un, bon, je suis pas du tout fan de son approche du droit face à des gens comme le Floch Prigent, etc. Je pense qu'elle en a beaucoup trop fait et qu'elle a pas coffré du tout les bons coupables, mais bon, ça, elle est juge, je ne suis pas juge, donc c'est juste une opinion. Mais elle a fait une campagne merdique pour les écolos, bah notamment parce que la profondeur émotionnelle d'Eva Joly, qui pourrait être grande, hein, y a pas de problème. C'est pas quelqu'un qui a une amputation émotionnelle. Mais sa profondeur émotionnelle était mauvaise pendant sa campagne. Et Villani, c'est pareil. Villani, il s'achemine vers une campagne ratée s'il ne change pas les choses,
Parce que la profondeur émotionnelle de Villani, c'est l'électroencéphalogramme plat. C'est quelque chose qui se travaille, ça. Non, tout le monde là. Les gens qui disent est-ce qu'il est autiste ou pas, il a eu raison tout de même de dire c'est pas le sujet. On peut avoir une profondeur émotionnelle. Regarde Greta Thunberg. Greta Thunberg, voilà, elle a fait une audience de dingue en gueulant, en faisant des grimaces. Elle est du spectre autiste, elle a une profondeur émotionnelle. Donc, c'est pas que ça. Pas qu'ils aient la profondeur émotionnelle, mais peut-être la montrer justement aux autres et arriver à la dévoiler. Il faut que ce soit sincère. Ça, Asselineau, pour le coup, a raison, hein. Il faut que ce soit sincère. Et que ce soit authentique. Faut pas que ce soit un vieux truc, notre projet, voilà, bon, ça marche pas. Mais après, on a d'autres outils, c'est-à-dire par exemple le passage à la télévision, etc., qui est bien connu. Mais des gens comme Mélenchon ou Marine Le Pen ont fait leur campagne là-dessus, c'est-à-dire Mélenchon, c'est du pathos. On considère, voilà, ces trois éléments, hein, logos, ethos, pathos. Trois éléments du discours, en rhétorique, pour convaincre, le logos, les arguments logiques. L'ethos, c'est la légitimité, un mot qu'on aime bien en France, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, genre je suis Georges Marchais, j'ai été ouvrier, ok, il y a de l'ethos. Bon. Donc, logos, les arguments, ethos, la légitimité. De ce point de vue-là, Asselineau, il est très bon, il a un logos qui valide bien, il a un ethos qui est tout à fait solide, j'ai vu les traités, j'ai vu machin. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est le produit des trois, c'est pas la moyenne des trois. C'est-à-dire que si on a zéro, il y a des notes éliminatoires en politique. Si on a zéro en pathos, c'est foutu, on est éliminé. Et ça, c'est effectivement le point dans les cercles de compétences Mélenchon, un bon logos. Enfin, je ne suis pas du tout acquis à cette thèse politique, mais un très bon logos, un très très bon pathos. Un ethos, ouais, l'ethos beaucoup moins. C'est quoi, le fait de ne pas venir du peuple. Voilà, c'est quand même, comme le dit très bien Pierre-Yves Rougeron, c'est quelqu'un qui est en fait un fin intellectuel, contrairement à ce qu'on croit, et qui est un passionné de l'histoire des royales de France. Enfin, l'ethos, il n'a pas l'ethos de Georges Marchais. Voilà. Georges Marchais, à l'époque où le PC pouvait faire 25-30%, c'était l'ethos d'abord. Bon, l'ethos d'abord, et je dirais après pathos et logos ensuite, dans cet ordre. Donc voilà un peu pour le... Mais ça, je pense que c'est très important d'en parler pour la politique actuelle, parce que on s'achemine vers de tels clivages, on s'achemine... Donc, pour finaliser cette réponse à cette question, voilà l'idée sur la politique, sur la question du pathos, et donc sur les débats... Sur pourquoi en France, la question était comment on pourrait débattre plus sereinement. Je dis, il faut être conscient, je ne pense pas qu'on éliminera cette dimension ultimate fighting dans les débats en France. Juan Branco l'a beaucoup utilisé lui-même. Je veux dire, bon, alors lui, c'était bien davantage le pathos et le logos. Encore que de l'ethos, son ethos était assez musclé, puisque avocat de Julian Assange, etc. Mais c'est en combinant les trois qu'on arrive à avoir une audience en France, mais si les Français étaient conscients de ça, on continuerait à garder les trois, mais il y aurait un recul. C'est-à-dire que l'audience se ferait pas, je ne vais pas dire manipulée, mais emportée. Voilà, emportée. Il y a un courant qui passe, on ne sait pas comment il se forme, on ne sait pas d'où il vient, on voit juste un courant et on y va. Il faudrait que les gens qui regardent les débats politiques se disent « Ah, je suis emporté parce que logos, ethos, pathos ». Et oui, dans le cas, donc, voilà, Gav Asselineau, la foi où il a renforcé son pathos, tout de suite, ça suivait, ça punchait, mais il faut vraiment le répéter, personne en France ne peut faire plus de 2% sans pathos. En l'une des trois dimensions, l'une des trois dimensions. Mais en l'occurrence, je pense qu'il y a un coefficient, voilà, c'est là que je voulais en venir, ça reste, il faudrait faire une formule mathématique qu'on pourrait tester, où ce serait un produit des trois, mais un produit avec un coefficient. Genre peut-être pays, en fait. Voilà, peut-être pathos au carré, ou un truc comme ça, c'est-à-dire, voilà, c'est peut-être ça, parce que vraiment, on peut aller en campagne avec un ethos assez merdique, on peut aller en campagne avec un logos pas tout à fait, bon, on ira, on fera pas plus de 5 ou 10%, mais on peut aller en campagne avec un logos un peu merdique. Bah, en France, on a pas tous... Non, mais Macron, typiquement. Ouais. Le logos de Macron, c'était zéro. Sauf au débat avec Marine Le Pen, où là, ça l'a révélé. Mais le logos de Macron en campagne, bon, tout le monde dit, c'est quoi votre programme? Rappelez-moi. Celui qui avait le meilleur logos, clairement, dans la campagne, c'était Mélenchon. Encore une fois, quoi qu'on en dise de ces thèses politiques auxquelles j'adhère pas. Mais en termes de logos d'enchaînement, le programme de la France Insoumise était super bien documenté, fait, une bande dessinée avec l'exceptionnel dessinateur, le couple de dessinateurs Renaud et Melaka, qui avait fait le truc le plus lisible, le plus digeste et le plus argumenté. On ne pouvait pas faire un meilleur logos que ça. Et cette combinaison puissante de logos et de pathos a fait faire que Mélenchon était quasiment au deuxième tour. Donc, ouais.
On finira sur ces paroles. Merci beaucoup Idrissa Berkan, merci de m'avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une belle continuation et au plaisir de vous revoir. Merci.